Dans le système que je fais, les céréales, bon, j'ai fait mes expériences en bosse, hein, je dis tout de suite. Comme ça, ça éclaircit le problème. Les céréales sont récoltées début août. Je sème dans la récolte précédente les céréales, donc fin juin, c'est l'hiver, enfin le blé, puisque j'y vais. Bon, faire la même chose avec l'orge. Hein. Je sème donc fin juin dans la récolte précédente. Bon, le blé que je cultive est évidemment associé au trèfle blanc. Bon, le trèfle blanc est implanté à 5 kg par hectare au début. Culture pérenne, après je ne le resème pas, sauf s'il y a bêtise grave de fait, notamment une semis trop dense de céréales qui risque de tuer le trèfle. Le blé, il est semé à raison de 2 kg à l'hectare maximum, au lieu de 150 à 200 kg, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est semé fin juin. Étant semé fin juin, il a tout l'été pour pouvoir croître. Or, le blé a une croissance exponentielle. Souvent, on le sème. Justement, alors c'est ce que je disais, le fait de refuser les stades de croissance et de végétation, on escamote la phase végétative du blé en le semant trop tard. Donc, finalement, c'est comme un enfant, bon, ben, on le met au monde, et puis au bout de 4 ans, ben, il faut qu'il se reproduise. Bon, ça ne marche pas comme ça, les céréales. Donc, elles ont une croissance exponentielle, c'est-à-dire que, au début, c'est bon, parce que la quantité de feuilles produites dépend de, et la quantité surtout de bon, dépend donc de l'usine chlorophyllienne qui est en place. Donc plus il y a de feuilles, plus il y a de racines qui sont faites, et plus encore on peut synthétiser. Et brusquement, hop, il y a la croissance exponentielle. Cette croissance exponentielle, elle se fait après le stade 7-8 feuilles. Et le stade 7-8 feuilles, il commence, quand j'ai semé fin juin, il commence à intervenir début août. Voilà. Quand il est, et lorsque l'on sème les céréales en novembre, le stade 7-8 feuilles n'existera jamais, le blé n'y parviendra pas. L'objectif que je cherche, qui n'existe jamais en culture annuelle à cause des semis tardifs et trop serrés, qui empêchent la croissance des plantes, c'est le stade 25 feuilles à l'entrée de l'hiver. Alors qu'à l'entrée de l'hiver, tout le monde est généralement au stade 3 feuilles ou 4 feuilles, maximum. Et bon, donc, ce qui se passe, c'est que le blé grandit, et c'est qu'au mois d'août, et bon, c'est avantageux à tous les niveaux, sur la couverture du sol, parce qu'au lieu que le sol soit nu, il y a la végétation en place qui le protège, qui freine l'évaporation et tout ça. La croissance du trèfle blanc est maximale en été, c'est là où il produit le plus de nodosité. En plus, surtout, ce qui est très important, c'est que le blé, sous nos climats, c'est en août que le sol va libérer le maximum d'éléments fertilisants. Bon, par la minéralisation du humus, parce que le sol aura été réchauffé pendant tout l'été. Il est essentiel qu'à ce moment, il y ait des racines qui soient en place pour absorber cet azote. Donc, je fais, au lieu de mettre, bon, en culture classique, on fait coïncider le stade végétalage au moment où le sol a été refroidi tout l'hiver, donc au début du printemps. La vie microbienne est inactive, donc il n'y a pas d'azote qui est libéré dans le sol. Et c'est ce qu'on appelle la fin d'azote printanière, qui va être un facteur limitant de rendement important. Donc, en plus, ce qui est important, c'est que du blé qui se met à la Saint-Jean, il reçoit une photosynthèse optimale, parce que les jours sont très longs, et l'intensité lumineuse est très forte. C'est très important pour le talage, et surtout très important, la nutrition carbonée, pour la croissance des racines. Le blé fait une quantité de racines qui est exceptionnelle. Bon, là où, le blé est cultivé dans les conditions classiques, bon, on commence à le semer en novembre, et il commence tout juste le 15 novembre à faire des racines qui sont des radicelles qui sont toutes petites. Moi, j'ai déjà 1,50 m à 2 m de racines en place et avec une densité extrêmement forte. Et si tu les sèmes par point, à quelle distance Bon, distance, bon, en système jardinatoire comme je faisais,
sur... t'en fais sur quelques arts. Tu fais ça à la main, tu le traites comme les légumes, si tu veux, et tu mets ça espacé tous les 50 cm. Si c'est du blé à faible vigueur de gestation, si c'est du blé à forte vigueur de gestation, ça sera espacé en tous sens de tous les 70 à 80 cm. Parce que bon, il y a des choses qu'il faut voir en face. Hein. C'est que du blé qui est conduit comme ça, hein, il va donner jusqu'à 150 à 200 épis par pied, par graine semée donc. Et les épis, au lieu de contenir 20 à 30 ou 40 graines comme c'est courant, ils vont contenir jusqu'à 120 à 150 graines. Ça aussi, c'est des choses dont il faut tenir compte. Grâce justement au fait de l'absence, ce que je cherche finalement, c'est l'absence de fin de carbone. Bon, du blé qui est semé en octobre-novembre, on l'expose à des jours trop courts. On l'expose à une intensité lumineuse trop faible. Et surtout, on l'expose à une humidité du sol qui est surabondante. Parce que la saison des pluies s'est déclenchée. Ces trois choses freinent l'enracinement. Déjà. Donc, il y a une question qu'il y a moins d'enracinement, non seulement parce que le blé n'a pas eu le temps, évidemment, sur un cycle de végétation de 8 à 10 mois, on a moins de temps que sur un cycle de végétation de 13 mois, comme c'est le cas dans le système de la culture, où il y a 13 mois et demi. Mais en plus, ce n'est pas seulement le cas. C'est que je fais coïncider la phase végétative du blé à une époque où il y a un ensoleillement optimal. Et l'ensoleillement optimal, conjugué à un sol qui est assez sec, ça provoque un enracinement extrêmement dense et important. Le réflexe du blé, aussitôt, c'est de s'enraciner. Et ça fait un rendement de 1 à 12 000. Ouais. Une graine donne 12 000 graines. Ah oui, même tu obtiens, enfin tu peux aller jusqu'à 15 000, 20 000 pour le blé. Oui, mais j'ai pour les fortes calculs minimales, parce que j'ai toujours la forêt de l'astre. Pour décomposer le calcul, 1 gras, ça fait combien de pieds? Un pied. De tige, d'épi, tu veux dire. Un grain. Bon. Une graine, si tu veux, bon. En moyenne, si tu veux. Ça dépend de la vigueur de végétation. Ça va. Si c'est des graines, bon. Si c'est du blé ordinaire, si tu veux, ça va entre 100 et 150. Mais si c'est du blé à forte vigueur de végétation, ça peut aller jusqu'à 200, 300 et 350. 350 épis par graine semée. Ça, c'est le fait. Bon, il y a deux choses pour tenir ça. C'est le fait de semer. Bon, c'est pour ça aussi que là, comme je disais, on n'imite pas la nature. Je ne sème pas le blé après ma récolte en août. Je précède la récolte, donc. Et ça, c'est dû, bon, bah, finalement, c'est logique. Bon, c'est première. Je voulais voir le facteur de multiplication. Alors, justement, en fait, c'est dans la récolte, alors on laisse la faille sur le terrain. Oui, c'est-à-dire que bon, le blé là, il est jeune, il pousse, je moissonne ça, et je laisse la paille sur le terrain. C'est la méthode. Et après, on fait pâturer les canards dans les mauvaises herbes, ils mettent du blé automatiquement. Mais moi, je n'avais pas de canard, et bien que je mettais le blé, que je mettais que la paille, si tu veux, j'avais 150 kg à l'art, ce qui correspond à 150 kg à l'hectare, si tu veux. 150 quintaux à l'hectare. Donc tu peux avoir un rendement énorme si tu veux ce système. Grâce à la grosseur des épis, surtout d'ailleurs. Parce que bon, le nombre d'épis au mètre carré, je peux en avoir autant en semant serré, c'est pas un problème si tu veux. Mais le poids unitaire du grain est très élevé avec cette technique de culture et les épis sont très volumineux. Et ce qui permet donc d'avoir un rendement très fort. Mais ça, ce qui est important, bon, le potentiel de rendement. Qui est le facteur décisif sur le potentiel de rendement, c'est la date de semis d'abord. C'est le fait de semer tôt, si tu veux, dès la Saint-Jean. Et les oiseaux ne mangent pas les graines. Comment tu luttes contre le fait qu'ils ne soient pas labourés? Les oiseaux ne viennent pas manger. Eh bien, c'est le contraire, le fait que ce n'est pas labouré. Oui. Les oiseaux, les labourent, ils les voient de loin. Ah oui, là, ils sont embêtés, sont gênés par les herbes. Ils savent que l'être humain, il fait sa salade et qu'il y a des bonnes choses à manger, là. Dès que le labour, moi, bon, dans mon champ de blé, il y a des gens qui faisaient du motocross dedans. Et bon, parce ils ne se rendaient même pas compte que c'était un champ de blé. Et Coca, il enrobait ses graines d'argile. Ah, ça, j'ai jamais fait ça. Bon, alors, ça, bon, on va... les graines dans l'argile, Fukuoka, il faisait ça parce que c'était un saignant, qui voulait beaucoup imiter la nature. Bon, moi j'ai jamais mis de graines dans l'argile, c'est pas la peine pour le blé, parce que dès que je le sème, il germe aussitôt, il lève aussitôt. Donc je perdrais mon temps si je mettais des graines dans l'argile. Fukuoka, lui, c'est le riz.
Au lieu de semer le riz comme tout le monde en fin avril, il le sème en automne pour que tout soit fait, qu'il soit tranquille et qu'on n'en parle plus. Donc le riz, sans pouvoir lever, doit pouvoir rester tout l'hiver et protégé en attendant le printemps suivant. Ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Quand tu sèmes le blé, tu le poses sur la terre, tu l'enfonces un peu. Bon. Il y a deux choses. Hein. Il y a le système, oui. Donc un champ et le système germinatoire. En système germinatoire, comme je faisais, je cultivais sur 5 arts, enfin 150 kg à l'art, c'était quand même 800 kg de blé. Déjà, moi, enfin, à Paris, avec des rendements pareils, je filais aux coopératives biologiques. Pour moi, j'avais besoin de tout ça. Tu as deux solutions. Soit tu cherches à avoir le maximum de rendement à une des surfaces, donc pour les régions surpeuplées ou des choses comme ça, ou parce que tu n'as pas envie de. Tu as envie de réduire au minimum la surface de ton blé. Là, tu en fais sur quelques arts et tu le traites comme les légumes, comme dans ton jardin potager. C'est-à-dire que les graines, je les pose par terre. Je les enterre pas, je cherche qu'il y ait un bon contact entre la graine et le sol. Je ne veux pas qu'il y ait de la graine qui soit posée sur du trèfle ou dans l'herbe. Je veux que ça germe aussitôt et que ça lève. Surtout que je mets quand même très peu de semences. Tu as un objectif de rendement de 150 quintaux à l'hectare, tu cherches un objectif de rendement de 90 à 100. Là, c'est différent. Tu sèmes à la volée, bon, 10 à 20 kg à l'hectare, en sachant que tu as une perte de rendement parce que c'est trop serré, et en sachant aussi bon, bah, qu'en multipliant la quantité de semences par 5 ou par 10, que tu as plein de semences qui ont le temps, qui ont la chance d'arriver à un bon contact sur le grain, si tu veux, et donc d'arriver à germer. Tout dépend de la façon dont tu cultives, finalement. Parce que là, je ne cultive pas comme Fukuoka, si tu veux. Fukuoka, lui, évidemment, là aussi, le but, c'est d'avoir le minimum de travail. C'est un homme sage, il n'a pas envie de se crever à son âge, de se casser les reins à semer le blé grain par grain. Donc, il le sème à la volée, en mettant davantage de semences. Mais en sachant qu'avec cette méthode-là, on peut avoir déjà un très bon rendement. D'abord, bon, il faut avoir le coup de main aussi, tu comprends. Semer à la volée, c'est pas à la portée de tout le monde, même je peux te le dire, tu vois. Moi, je suis capable de le faire. Si je sème à la volée, j'aurai un paquet de graines là, un endroit où je n'en aurai pas du tout. Enfin, c'est très dur de semer à la volée. Il faut vraiment avoir été agriculteur, d'avoir été formé à ça et tout ça. Si tu veux. Bon, Fukuoka, il est fils d'agriculteur, il a un bon coup de main, donc il sème à la volée. Donc. Mais donc, le petit monde, c'est de demander à la main à chacun. Comment ? Finalement, le mieux, c'est. Si tu fais un petit. C'est peut-être plus de travail plus fatigant, mais dans le petit. Oh, le travail plus fatigant, tu sèmes un hectare par jour quand même. Hein. À la main ? Même grain par grain. Par grain, oui, parce que tu veux 50 centimes. Ensuite, il ne faut pas oublier. Un hectare par jour, tu exagères. Mais non ! Un par grain ? Bah oui. Mais oui. Bah, il se passe des minutes. Bon, tu travailles. Les jours sont très longs. Un hectare, c'est 100 sur 100. Ouais, puis il se passe un hectare, regarde ici, il y a un demi-hectare. Et bien, tous les 50 jours. Non, bien sûr, tu bosses. Il faut se baisser que 40 000 fois. Ça fait 200 sur la longueur, 200 sur la largeur. La demande des pommes de terre, c'est la même chose. Mais allez, pour pas te baisser, que ce soit sur un. Non, mais c'est pas la même chose que de planter des pommes de terre. Planter des pommes de terre, il faut creuser dans le sol, il faut recouvrir, etc. Là, tu t'assures uniquement un contact entre le sol et la graine. Tu ne vas pas t'amuser à. C'est comme ça. Hein? Enfin, ou même d'un coup de talon. Hein. Des fois, je suis pressé, hein. La graine paf, et puis je fais ça, puis voilà, puis je continue plus loin. Tu vois. Ça dépend, mais bon, un hectare par jour, tu peux le faire. Bon, c'est sûr que tu vas te coucher, tu ne fais pas d'insomnie. Ça fait une journée depuis 10 heures, non ? Ah oui ? Ah oui, parce que bon, et dans une heure, il y a 3600 secondes. Mais de toute façon, ça fait 36 000 secondes. C'est dans la vie courante, ça dépend ce que tu fais, mais il y a beaucoup de gens qui font des journées de 18 heures, 20 heures. Hein. Ah oui, en fait, c'est une journée au grand air. Donc là, tu fais une fois par an. Oui, justement. Donc, quand tu fais des recherches en agronomie et tout, hein, tu fais du 20h, 21h par jour, enfermé entre quatre murs, à respirer la merde. Hein. Il faut quand même pas exagérer. Bon, ben puis un hectare par jour, bon, ben ça va. Mais tout dépend des surfaces, tu peux semer à la volée, mais en sachant que tu maîtrises, tu contrôles moins ton rendement. Puis le coup de main, il faut l'avoir. Hein. Si tu veux. Bon, Fukuoka, il arrive à un rendement très élevé comme ça, mais d'autres arriveraient à des rendements tout à fait inférieurs. Bon. Et 10 heures, il faut faire un grain à la seconde. Un heure, c'est 100 mètres carrés. Tu laisses tomber, tu marches.
Un arbre, c'est 100 mètres carrés. Oui, 100 mètres carrés. Bah, moi, je vais planter un arbre. Non, mais justement, si tu plantes un arbre et que tu obtiens. Je le vois. Et que tu obtiens, si tu veux, 150 kilos à l'arbre, si tu veux, t'as déjà de quoi manger. Tu as pour même pour ceux qui mangent des céréales. J'en ai pour les germer. Je suis censée manger tout ce que je souffre. Ouais. Bon. Bon, en plus, bon, ce qu'il faut voir, c'est que le rendement, contrairement aux assolements classiques, quand on cultive la même chose, le rendement a tendance à baisser, c'est que le rendement augmente. C'est comme ça, dans ce système, bon, on bosse, la première année, j'ai obtenu 90 kg à l'art, la seconde année 120 kg, la troisième année 150 et plus. Pourquoi? Parce que chaque récolte, le blé est une plante améliorante, c'est un peu comme les bananiers finalement. Le blé, quand il est cultivé correctement, j'entends, est associé au trèfle blanc. Il laisse une biomasse déchétuaire et une quantité de racines qui est énorme, et sur laquelle la culture suivante va se nourrir. Et en plus, il y a un ameublissement, comme une plante pionnière, il y a un ameublissement du sol qui est fait par ses racines. Alors, au fur et à mesure que ces racines se décomposent, au fur et à mesure, les racines de la récolte suivante, ça ne se fatigue pas, elles suivent les canaux. Et avec ce système, c'est pour ça qu'on arrive et qu'on peut, justement, cultiver le blé sur lui-même, disons. Et aussi, parce que grâce au grand écartement, il y a une absence de parasitisme. Parce que le parasitisme, on sait à quoi il est dû aussi. Bon, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, il faut semer très tôt pour donner le maximum de potentiel de rendement à la plante, semer espacé pour maintenir en bon état ce potentiel de rendement, parce que si on sème par exemple à la Saint-Jean de 100 kg à l'hectare, on risque de pas être déçu de la manœuvre. C'est-à-dire qu'on va avoir de la paille, mais on n'aura pas d'épis. En plus, l'élongation, toute l'énergie de la plante va se gaspiller en élongation, puis elle est pleine de verse. Parce que là aussi, un semis à la Saint-Jean, par exemple, justement, c'est pour ça que la méthode Fukuoka, bon, un semis à la Saint-Jean qui est associé au trèfle blanc, si on met 25 kg de semences à l'hectare, ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux doses qui sont recommandées classiquement, ça verse, j'ai fait l'expérience. Le blé, il verse. Verse parce qu'il est associé au trèfle blanc et parce qu'il aura un excès d'azote par rapport au carbone. Et tout l'azote qu'il a, il le fait en élongation de paille. Et l'élongation de paille, ça dépense de l'énergie, évidemment, ça dépend de la croissance des racines. Comme c'est trop serré, seules les feuilles hautes peuvent travailler, toutes les feuilles du bas crèvent et sont atteintes par les maladies cryptogamiques. Ouais. Donc, il faut faire attention, puis on gaspille. La vocation du blé, c'est de faire du grain d'abord, puis ensuite de faire de la paille. Donc, les variétés à tiges courtes. Oui, mais là justement, c'est qu'on peut obtenir des tiges courtes spontanément. En fait, la verse, et ça aussi d'ailleurs, en plus le pire c'est que c'est reconnu en agronomie classique. Bon, enfin du moins, bon, tous ceux qui ont fait des études de physiologie végétale, tout ça, bon, c'est que ce qui est important, c'est pas la hauteur de la paille, c'est le rapport entre les racines et les tiges, si tu veux. Si par exemple, bon, tu cultives des blés à paille très haute, comme les poulards, par exemple, genre nonnette de Lausanne et tout ça, qui sont capables justement de faire des. Si on les sème trop. Enfin, normalement, de faire des pailles de 1m80, et si on les sème trop serrées, c'est des pailles qui montent à 2m50 et plus. Surtout quand ça a été semé tôt, c'est épouvantable. Bon. Les blés poulards, dès qu'un blé a des hautes pailles et une forte vigueur de végétation, il a un potentiel, donc et beaucoup de racines, il aura tendance à faire des gros épis. La taille des épis. Parce qu'actuellement, bon, on a sélectionné des blés à paille courte, qui ont aussi des feuilles petites. Les feuilles petites ne conviennent pas à notre climat. C'est des blés qui ont été croisés ou qui viennent d'Algérie, des pays chauds, des pays désertiques, où il faut évidemment diminuer l'évapotranspiration et il faut des feuilles qui soient petites. Et puis en plus, il y a tellement de soleil là-bas qu'il n'y a pas besoin d'une grande largeur de feuilles. Donc, la photosynthèse est insuffisante, donc l'enracinement est très faible. Qui dit enracinement faible, dit que la taille des épis sera également très faible sur le plan du potentiel. Alors, ils inventent des tas de choses pour compenser, raccourcisseur de paille, chlorure de chlorocolline, tout ça. Mais ce n'est pas ça la solution. Ni d'inventer des espèces minables, parce que je dis bien, parce que là, ça ne devient plus du blé à ce moment-là. Ce genre de croisement,
à paille courte. Donc, si le blé est semé à grand écartement, les feuilles du bas, toutes les feuilles peuvent travailler. Il n'y a pas de compétition, parce que c'est important, il n'y a pas de compétition entre les plantes. Donc, les plantes n'ont pas le besoin de s'allonger en haut démesurément, comme ce qui se passe en forêt lorsqu'on plante des arbres trop serrés pour avoir du bois d'œuvre. Donc, il n'y a pas de fin de carbone, donc les racines peuvent se développer au maximum. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans mon système, ce que je cherche, l'efficacité du système, c'est une densité racinaire et une profondeur de racine extrêmement forte. C'est ça qui donne le rendement. D'ailleurs, la taille de l'épi et la grosseur du grain est directement dépendante de la taille des racines. Le nombre d'épis dépend du nombre de racines et le nombre de grains est directement dépendant de la longueur de ces racines. Ça, c'est une règle essentielle en physiologie végétale. Et c'est valable pour les arbres fruitiers, c'est valable pour tout ce qui pousse. Et la profondeur du sol, elle sera un facteur limitant, normalement. Attention. Les racines, un blé, justement, tu vois. Bon, un blé moderne, par exemple, qui est désélectionné, bon, pour ses pailles courtes, qui a donc une faible vigueur de rotation, qui a des racines qui sont faibles, qui en plus se met trop tard et trop serré, tout conjugué, si tu veux. C'est un blé, bon, bah, qui est tout juste bon, si tu veux, à prendre la nourriture soluble qui est dans le sol, sous forme d'engrais chimiques, minéralisation de l'humus, etc. De toute façon, comme on le sème en dehors de la période où l'humus se minéralise, de toute façon, la question est réglée, il n'a rien à bouffer, c'est donné d'azote. Bon, si tu veux. Du blé qui est comme ça, c'est des racines qui sont pionnières, très actives, très travailleuses, qui vont défoncer la roche mère, si tu veux, la solubiliser et en prendre les éléments fertilisants et approfondir en plus la couche arable. C'est pour ça que j'estime que le blé qui est cultivé de cette façon-là, je le classe comme le bananier parmi d'autres plantes, parmi les plantes améliorantes, parce que ça se prouve au rendement que j'ai. Première année 90, deuxième année 120, troisième année 150. C'est-à-dire que les rendements augmentent et ça c'est grâce au travail des racines. C'est ce qui se passe de toute façon. C'est ce qui se passe dans la forêt, c'est ce qui se passe partout. Ce qui crée la fertilité du sol, c'est le végétal et sa biomasse végétuaire. C'est le travail des racines qui démolit la roche mère, qui la transforme en grain de plus en plus petit, qui solubilise, et avec la biomasse végétuaire bon, qui fait l'humus, et lorsque les racines se décomposent. Bon, par exemple, c'est ce qui se passe, par exemple, quand il y a une éruption volcanique, il y a des plantes pionnières qui vont venir d'abord, c'est un sol qui est stérile, il n'y a même pas de micro-organismes. Il y a par exemple des légumineuses ou des plantes très solides, ou même du lichen, si ça ne va pas, qui va s'installer, qui effrite la roche. C'est le végétal qui crée la fertilité. Ce qu'il faut, donc, ce qu'on recherche dans la nature naturelle, une biomasse suffisante. Donc il y a un maximum de végétation qui soit au travail. Et le blé, s'il est semé tôt, s'il est semé clair, et qu'on valorise au maximum sa puissance de végétation et en choisissant en plus des variétés à forte vigueur de végétation, c'est une plante améliorante parce qu'elle crée du sol. Bon, en plus, il y a du trèfle qui est associé, en plus, il y a des mauvaises herbes qui poussent dedans et tout ça. Je voulais vous poser une question. Vous tenez compte du type de sol, par exemple, en plantant quelque chose Oui, c'est-à-dire que par exemple, le blé. Et très rustique convient sur pas mal de sols, mais l'orge, bon, on le plantera plutôt sur des terres calcaires, le seigle sur des terres acides et sablonneuses, etc. Justement, le seigle, s'il est capable d'exploiter des terres qui sont très pauvres, acides et sablonneuses, c'est parce qu'il a un enracinement, naturellement, une vigueur de végétation qui est plus forte que celle du blé, justement. Il arrive à... C'est le même système, que ce soit de l'orge ou du seigle, c'est le même système. Ah oui, céréales d'hiver. Là, c'est une technique de culture sur les céréales d'hiver. C'est-à-dire avoine d'hiver, orge d'hiver, seigle d'hiver et blé d'hiver. Qu'est-ce qui convient pour l'avoine? Pour l'avoine? Quel type de sol? L'avoine, c'est plutôt des sols acides aussi. Des sols secs? Des sols acides, mais avec une humidité suffisante. Donc des régions comme la Bretagne, les sols sont acides. Est-ce que tu fais des analyses aussi à l'heure du sol? C'est l'analyse chimique, par exemple. Je m'amusais à ces bêtises quand j'étais jeune et bête. Maintenant, quand on vieillit, on trouve que ça sert à rien tout ça. Et
analyser les sols. Bon, c'est la végétation qui fabrique le sol. J'analyse pas. Il n'y a, oui, a pas de carence. Bon, par exemple, pour les oligo-éléments. Bon, je ne me suis pas analysé la phase d'analyse qualitative sur mon blé. Mais on peut bien se douter. On peut bien se douter quand même. Le doublé qui est semé à la Saint-Jean, qui au moment. Parce que bon, voilà, si. Bon. Donc c'est en août. En août, qu'est-ce qui se passe? Bon, le sol a été réchauffé tout l'été. L'humus se minéralise, donc libère de l'azote. Mais encore que la minéralisation de l'humus sur un sol couvert en permanence n'est pas très importante. Et puis d'ailleurs, la minéralisation de l'humus, ça ne m'intéresse pas. Quand on calcule les éléments fertilisants, on se base sur la minéralisation de l'humus et le reste, c'est ce qu'on ajoute, fumier, tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. Bon. Il y a du trèfle blanc qui est associé. C'est pareil, en août, les rhizobiums ont une activité maximum. Les nodules commencent à. Tous les un mois, les nodules du trèfle se désintègrent et libèrent de l'azote. Et surtout au mois d'août, justement. Donc il y a déjà l'azote du trèfle blanc qui est libéré. Bon, il y a eu. J'ai fait un mulch de paille. Bon. Tout ça, ça se décompose. Ça fait vivre un maximum de micro-organismes. Les racines qui sont tout le temps présentes dans le sol. Favorise une nutrition microbienne qui est optimale, parce que le sol est couvert en permanence. C'est pour ça que je n'ai jamais de sol nu, c'est pour ça que je sème si tôt. Les cadavres microbiens, ce qu'il faut voir, c'est très important, ils se renouvellent en permanence. Les micro-organismes, ça ne vit pas très vieux. Souvent, ben bon, ils se multiplient très très vite et ils meurent assez rapidement. Disons qu'on peut prendre un cycle moyen de vie microbienne de 1 mois. Donc, sur 12 mois, ils vont devoir se renouveler 12 fois. D'ailleurs, souvent, il y a des espèces qui vivent moins longtemps que ça. Donc, il y a toujours en permanence des cadavres microbiens. Et ça, attention, là aussi, au passage, je ne base pas ma technique sur l'humus. J'en ai rien à foutre de la quantité d'humus que j'ai. L'humus qu'il y a, quand je vais semer mon blé, ce n'est pas mon problème, c'est le problème des gens qui étaient avant moi. Ça ne me regarde pas. Ce que je cherche à fabriquer, c'est le maximum de cadavres microbiens. Parce que ces cadavres microbiens, bon, ils vont mourir, ils vont se renouveler en permanence. Je peux en obtenir jusqu'à 70 tonnes par hectare avec ce système de culture. Et ces cadavres microbiens sont très riches en azote et en phosphore, jusqu'à 5% de phosphore. Bon. Donc, mon blé est nourri. C'est de la paille. Hein? C'est de la paille, ces cadavres microbiens. Oui. C'est la paille qui a beaucoup de phosphore. Les hydrates, non. Enfin, c'est les hydrates de carbone contenus dans la paille, et puis tous les éléments contenus dans la paille, qui servent de nourriture, donc de nutrition carbonée à ces micro-organismes, qui eux se chargent. Bon, si c'est des azotobactères qui vivent en surface, ils peuvent synthétiser l'azote eux-mêmes. Il y a des algues aussi qui vivent en symbiotique avec des micro-organismes qui synthétisent l'azote. Ce qui est essentiel, bon, c'est d'avoir le maximum de vie, de biomasse végétale. Bon, pour fabriquer le maximum de micro-organismes et de nourriture pour les vers de terre aussi. Bon, parce que c'est eux qui donnent, qui travaillent et qui, en se décomposant ou par leurs excrétions, vont nourrir les plantes. C'est pas l'humus qui nourrit les plantes. Les vers de terre vont servir de fermenteurs pour les bactéries en plus. En plus, les vers de terre, c'est. Ils vont moudre la litière végétale, avoir les bactéries dans leur tube digestif, aider les bactéries à accélérer le phénomène et on aura une quantité de corps bactérien énorme dans leur déjection. Parce que bon, ce qui nourrit, bon, on dit terre végétale, bon, on pourrait dire terre animale, mais bon, ce qui est important pour la nourriture des plantes, bon, c'est les plantes, bon, elles fabriquent donc de la nourriture pour des micro-organismes ou des vers de terre, mais ce dont les plantes se nourrissent essentiellement, c'est pas de la minéralisation de l'humus, qui est d'ailleurs pas très intéressante sur le plan nutritif. Ce qui est intéressant pour les plantes, ce qui donne la meilleure qualité à la récolte, et ce que actuellement, c'est pour ça que le blé est devenu allergène d'ailleurs, ce qui actuellement n'existe dans aucune situation de culture, c'est du blé qui est nourri aux cadavres microbiens et aux déjections de vers de terre. Le blé actuellement, il est nourri surtout à la minéralisation d'humus et aux engrais chimiques solubles, ou à cette saloperie d'ammoniac et de purin et de fumier qu'on leur donne. Donc il y a une diminution de fertilité. Il y a une augmentation de fertilité. C'est-à-dire que... Sur 3 ans, est-ce que tu penses que ça continue? Ah, ça se stabilise. C'est évident, ça se stabilise, mais moi j'estime que l'on peut faire du blé, faire revenir du blé sur blé, vitam aeternam. D'ailleurs, il y a des populations qui l'ont fait. Par exemple, le fameux, bon, le mythe de l'assolement, pas attention, parce qu'en agriculture biologique,
On parle beaucoup d'assolement. L'assolement, je vais résumer l'assolement. L'assolement, c'est lorsqu'on cultive comme des cochons, qu'on bousille le sol et qu'on a besoin de transfert de fertilité. Par exemple, en faisant succéder une prairie qui va faire qui, grâce à une couverture permanente du sol, va laisser une terre riche qui pourra faire venir du blé lorsqu'il est cultivé dans de mauvaises conditions. Mais là, il n'y a pas besoin d'assolement. Et aussi parce que le blé, il n'y a pas de maladie parce que le blé est semé à grand écartement. C'est une question technique, ça. L'assolement n'est pas nécessaire. Du moment que la culture est améliorante, l'assolement, finalement, ça consiste à faire succéder des cultures épuisantes à des cultures améliorantes. Par exemple, prairies, blé ou légumineuses, blé sur des friches de luzerne, etc. La luzerne faisant de la fertilité pour la culture épuisante qui va suivre. Mais là, ce n'est pas une culture épuisante. Je n'ai pas besoin d'assolement. C'est une culture améliorante. Le blé, selon qu'il est cultivé, fait une culture très épuisante et très améliorante. Donc le fait de l'espacer le rend améliorant. Le blé, est-ce qu'il le rend améliorant? C'est parce qu'il y a du blé. Dans les techniques de culture classique, il n'y a pas de blé. Parce que... Mais non. Parce qu'on le sème en novembre. Quel blé? Il n'existe pas. Il y a pas de... En novembre, il fait une toute petite racine, là. Il commence tout juste. Moi, j'ai déjà jusqu'à 2 mètres de racines dans le sol, et c'est très dense. Il n'y a pas de blé dans la culture classique. C'est parce que c'est le sol nu, il n'y a rien. C'est pour ça que c'est une culture épuisante. Il n'y a pas de biomasse végétale, il n'y a rien. Le blé, il faut voir, il appartient à l'ordre des graminées. Toutes les graminées, lorsqu'elles sont bien conduites, sont améliorantes. Les céréales sont des graminées particulières, qui ont une vigueur de végétation supérieure aux autres plantes, donc qui sont plus améliorantes que n'importe quelle plante, à condition qu'on les associe avec du trèfle blanc, quand elles sèment suffisamment tôt pour qu'elles coupent le sol et qu'elles puissent faire leur travail dans des conditions normales. Et quelles sont les variétés de blé qu'on peut... Bon, des variétés qui soient diverses, bien entendu, qui n'ont pas été croisées, trop mélangées, donc avec des variétés de blé étrangères. Bon, les variétés anciennes, bon, moi, ceci dit, je me suis débrouillé avec des variétés ordinaires au début, hein, parce que je n'avais rien d'autre. Moi, j'ai semé Capitole comme tous les biologues. Du coup, la première culture que tu as faite, le trèfle, tu l'as semé sur quoi? Sur terrain nu? Je vais préciser. J'avais semé, bon, c'était un bois, c'est une région dans la Beauce, où c'est des grandes régions de céréales, c'est dans le canton de Beauce, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bois, de bosquets quand même, pas mal, et puis bon, des champs extensifs. Bon, je me suis installé dans cette région pour pas mal de raisons. C'est que les premières expériences de dépasser 100 quintaux à l'hectare en chimie ont été faites là. Alors moi, je me suis mis là aussi, en me disant, bon ben, on va s'amuser à plusieurs. Bon, donc, ça s'est fait sur une défriche, donc, de bois. Il y avait des chênes, il y avait quelques robiniers, pas beaucoup, parce que c'est un terrain qui ne connaît pas aux robiniers. Donc je cultivais sous les chênes, si tu veux, le blé. Bon, on dira que là, concurrence le blé, c'est possible, mais il y a moins de concurrence à semer le blé sous un parc arboré que de semer du blé en novembre et à une densité de 100 kg à l'hectare. Mmh. Là, les arbres ont pas été coupés. Hein? Le bois dont tu parles, les arbres ont été expérimentés. Oui, je n'ai pas coupé les arbres. Mmh. D'abord parce qu'il n'y a pas de raison que je m'attache à la forêt sous prétexte que je faisais des expériences. Mmh. Et puis ensuite, elle ne m'a pas gênée finalement. Et les arbres, parce que j'avais bénéficié des feuilles d'arbres, d'une biomasse supérieure et tout ça. C'était espacé comme tu penses? Oh ben c'est sûr, quand il y avait des broussailles, des choses comme ça qui me gênaient, mais j'ai choisi mon emplacement, si tu veux, pour détruire le moins de choses possible, si tu veux. Dans la mesure où je m'y installais pas, donc je m'y serais installé, ça aurait été différent, tu vois. Mais devenir, tu vois, faire des expériences, tout bousiller, puis repartir, c'est pas la peine. Bon, c'était pas vraiment une forêt, c'était ce qu'on appelle un bois. Un bois, un taillis sous-futé, disons, qui était d'ailleurs assez clair, avec pas mal de broussailles. Et puis, il y avait beaucoup de passants encore, notamment du motocross. Bon, donc avec mon système, je fais coïncider la phase d'étalage, au moment où le sol est le plus riche, et au moment où il y a le plus de cadavres microbiens, au moment où le trèfle libère le maximum de nodosité
des moments bon, où il y a de la minéralisation du muscle, au moment où le sol est le plus chaud. Donc je fais coïncider le tannage du blé et sa période, et sa phase de croissance végétative au moment où le sol est le plus riche. Alors qu'en méthode classique, on fait coïncider la phase végétative, donc la phase du tallage, avec le moment, donc en février-mars, où le sol est le moins riche de l'année en tout élément fertilisant. On voit l'aberration, c'est tout à fait irrationnel. Donc, il est bien évident qu'on aura un blé qui ne sera pas du blé, parce qu'avec quoi il nourrit ? C'est du blé qui crève de faim, ou qui nourrit aux engrais chimiques. Il faut voir les choses en face, quelle que soit la méthode d'agriculture que l'on pratique. C'est là que c'est rationnel d'ailleurs, c'est là que ça trouve sa logique dans le système. Ouais. C'est un blé qui est dépendant donc de l'apport extérieur à tous les niveaux, donc au niveau du travail et tout ça. Bon. Là tout le monde a compris ça. Et en plus, la phase du tallage, je parle de la fertilité du sol, mais ce qui est très important, hein, parce que c'est quelque chose de gratuit, on en parle pas beaucoup, carbone. Il faut toujours voir facteur limitant égale carbone dans la plupart des conditions de culture. Mais évidemment, ça ne se vend pas le carbone. En plus, il y en a trop dans l'atmosphère. Il y a un trop dans l'atmosphère, de toute façon. C'est un produit qui ne manque pas. Et pour le blé, facteur numéro 1, si on a microbiologique ou chimique, tout ce qu'on veut, facteur limitant numéro 1 du blé, c'est le carbone. C'est-à-dire que non seulement on fait coïncider la phase du tallage au moment où le sol est le plus pauvre en éléments fertilisants et en vie microbienne et en vie de tout, mais en plus on fait coïncider la phase du tallage au moment où il n'y a pas de soleil. Donc le tallage est très exigeant en carbone. C'est pour ça qu'il y a si peu d'épis par plant. Le tallage, la rapidité du tallage, l'intensité du tallage, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir 200-300 épis par grain semé. L'intensité du tallage est très dépendante du carbone et de l'intensité lumineuse. Parce que sinon la croissance, bon, le plateau de tallage, le grain est là, le plateau de tallage est là, donc c'est des bourgeons qui démarrent sur la terre, il faut qu'il y ait de la lumière pour que ces bourgeons puissent démarrer. Sinon, ils sont inhibés et ils meurent, et ils bougent, et c'est fini. Et c'est pour ça que bon, dans les conditions de culture classique, les gens ils peuvent être contents quand ils ont 3 ou 4 épis par pied. Et souvent, en moyenne, ils en ont 1 ou 2, sans compter toutes les maladies qu'il y a. Donc, aussi, c'est pareil. Je me demande, bon, justement, si la mauvaise valeur nutritionnelle du blé ne vient pas aussi des conditions dans lesquelles il est cultivé. Puisqu'on refuse sa phase de croissance végétative, on ne voit que sa phase reproductive, sans qu'il y ait de phase préalable végétative comme tous les êtres qui vivent sur la Terre. Comme des compositions fines, la gravité et autres modifiées. Oui. Bon, on va aborder quelque chose. Vous semez d'abord le blé et après l'engrais vert ? Non, je sème d'abord l'engrais vert, je sème. Bon là, je le fais très vite, hein, en expliquant très rapidement, parce qu'il y a déjà un stage qui a été fait là-dessus. Il y a des gens qui ont participé à ce stage, et comme ils sont là, si je fais ça toute la journée, ils vont dormir, ils vont s'ennuyer. Je vois déjà Michel, il commence à s'assoupir. Le pauvre. Le gaz carbonique sera en permanence donc absorbé. Justement, dans les systèmes de sol nu classiques, et puis surtout dans tous les systèmes, on fait beaucoup plus de gaz carbonique que d'oxygène. Bientôt, on va s'asphyxier sur la Terre. Il n'y aura pas assez d'oxygène et trop de gaz carbonique. Et le taux de gaz carbonique devient de plus en plus alarmant. Bon. Ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait autant de gaz carbonique que maintenant. Parce qu'il y avait une biomasse plus riche, donc une biomasse animale plus riche, si tu veux, donc une respiration de CO2 qui était beaucoup plus élevée. Mais il y avait un équilibre avec la biomasse végétale qui absorbait tout ce CO2 pour le transformer en oxygène. Donc, pas de problème. Parce qu'il est probable qu'à l'époque passée, le gaz carbonique, il y en avait même peut-être plus que maintenant, mais qui était bien absorbé, si tu veux. Mais là, effectivement, il y a de plus en plus de gens. Actuellement, il y a un truc,
toutes les combustions produisent du gaz carbonique, mais toutes les, surtout bon, les combustions inutiles, c'est-à-dire les combustions qui sont faites avec le feu, qui est le plus grand danger, quoi. Que ce soit pour cuire les aliments, que ce soit pour fabriquer des métaux, que ce soit pour la combustion pour les voitures, enfin tout, toutes ces combustions qui produisent donc le gaz carbonique, et qui, une combustion, évidemment, ça dépense de l'oxygène, ça se fait au contact de l'oxygène, ça brûle de l'oxygène, toutes ces combustions sont très dangereuses. Et justement, il faudrait avoir le maximum de biomasse végétale pour pouvoir les compenser. Puis évidemment, essayer de penser à diminuer. Bon, alors, là, très rapidement, pour le trèfle blanc, je le sème une fois pour toutes. Je le sème une fois pour toutes en avril. Le blé, je le sème dans la deuxième quinzaine de juin, c'est-à-dire entre le 15 juin et le 30 juin. Dans la récolte présente, en train de mûrir, ou dans rien du tout, s'il n'y a pas de récolte présente, en train de mûrir. Et bon, il y a beaucoup de questions que les gens posent, c'est la question des mauvaises herbes aussi. C'est-à-dire que je ne cultive pas le sol, je passe pas mon temps à désherber, comment ça se fait que je n'ai pas de problème avec les mauvaises herbes? Bon, alors que les mauvaises herbes, dans les champs de Belgique, il y en avait pas mal quand même. Mais général. C'est-à-dire que le blé, d'abord, pour commencer, à condition. Eh bien, à condition qu'on le sème à la bonne période, qu'on ne le sème pas hors saison, a une vigueur de végétation qui est très élevée. Le blé, bon, le blé, ce qu'il faut voir, c'est quand il est semé au moment où il faut, il sort ses feuilles à une température de 80 degrés. Bon, les adventices les plus dangereuses, les adventices graminées, genre riz-gras anglais, riz-gras d'Italie et tout ça, bon, le riz-gras d'Italie qui est très. Et pourtant une vigueur de végétation très forte, tous les éleveurs savent ce que c'est que le riz gras d'Italie. C'est une plante pionnière extrêmement vigoureuse. Bon, il sort ses feuilles à 130 degrés par feuille sortie, par sorte de température. Les gens savent ce que c'est qu'une sorte de température. Bon. Le blé, lui, il pousse aussi vite que n'importe quel colza et autres. Il sort, si on le sème tôt, il sort ses feuilles tous les 80 degrés. En plus, il a une vigueur de végétation qui est beaucoup plus forte, donc il est toujours concurrentiel vis-à-vis des mauvaises herbes, à condition qu'on lui donne sa chance de croissance végétative. Si on le sème en novembre, on ne lui laisse pas de chance. Excepté la chance que, évidemment, c'est là où on voit la vigueur de végétation. Je mets au défi de semer au mois de novembre une prairie, à qui que ce soit. Que quelqu'un essaye de semer une prairie, que quelqu'un essaye de semer les pires mauvaises herbes au mois de novembre. Le blé va germer et pousser, il sera faible, il poussera. Il n'y aura aucune mauvaise herbe qui pourra pousser. C'est terminé. Le riz gras italien qui a la plus forte vigueur de végétation de tout ce qui peut pousser dans le blé, si on le sème au mois de novembre, on n'aura rien. Donc le blé a une vigueur de végétation beaucoup plus forte. Et une résistance d'ailleurs à la sécheresse qui est plus forte, une résistance au froid qui est beaucoup plus forte. Et en plus, une beaucoup plus forte vigueur de végétation. Le tout conjugué fait qu'il a beaucoup de chance contre les mauvaises herbes. Alors voilà comment j'agis contre les mauvaises herbes. Bon, il y a la récolte précédente. Il y a le blé qui se met dans le fouillis, très mauvaise herbe et tout ça. Bon, dès que le blé est récolté en août, bon, le blé, là, il a plus d'un mois, je fauche tout, y compris le blé, les mauvaises herbes, tout ensemble, sans chercher à comprendre ce que je fauche. Et ensuite, je laisse tout se débrouiller. Je ne fais que cette action, donc pour lutter contre les mauvaises herbes, je n'en fais pas d'autre. Et tu fauches lequel, Le blé, attention, oui. Le blé, il supporte très bien. Au contraire, il va retaler. Alors, ce qui va se passer, comme il y a une plus forte vigueur de végétation, il va retaler de plus belle en prenant un port un peu plus étalé et il va étouffer d'autant plus les mauvaises herbes. Non, parce qu'il ne faut pas croire, c'est marrant, on taille les arbres comme des brutes et puis pour un petit coup de faux sur une graminée, les graminées sont adaptées à ça, elles repoussent très bien. C'est à peu près combien de temps après les semailles que tu fauches? Ce que je fauche, non, je sème. Je sème par exemple le 20 juin. Oui. Je récolte, bon, là, dans la récolte précédente, que je vais récolter par exemple le 5 août. Donc je récolte tranquillement et je fais ce que j'ai à faire. Et vers le 15 août, je fauche tout. Ah, d'accord. C'est-à-dire ça fait 20 juillet, ça fait presque 2 mois après. Bon, lors d'une première semaine, je crois que c'est une façon de relâcher à la place de quitter la paille. La récolte de l'année. Comment ça, la place? Il n'y a rien sur le terrain. Bref, le blé, le blé est bon de relâcher
Avec par exemple de la paille et de... Oui, mais en par général, j'aurais trouvé un terrain. Enfin bon, sauf sur un labo, j'aurais trouvé un terrain. Moi, dans mon expérience, j'avais des tas de broussailles, des tas de mauvaises herbes, des traginées, etc. Pourquoi c'était pas de l'eau ? Il n'y a rien. De toute façon, même si je pense qu'il fait rien, puisqu'il n'y avait rien sur le terrain. S'il n'y avait rien, il n'y a pas de mauvaises herbes non plus. Tu sèmes ton trèfle. Non, mais il n'y a pas de mauvaises herbes. C'est-à-dire que, si tu veux, il y en a moins, si tu veux. Donc tu sèmes ton trèfle, tu sèmes ton blé dans le trèfle, puis pour la première année, tu laisses courir. Non, mais le blé, tu n'imagines pas la végétation que ça a, tu vois. C'est pas les mauvaises herbes qui vont faire à l'eau, tu vois. Surtout non, pas mais, en été. Non, mais pour l'apport en azote, comme tu parlais tout à l'heure, à partir des micro-organismes. Bon. Oui. C'est pour ça que la première année, justement parce qu'on n'a pas de mulch qui soit riche, tout ça, et on n'a pas de racines de récolte précédente en train de se décomposer, la première année, on ne bénéficie que du respect de la physiologie végétale, c'est-à-dire d'un cycle très long et d'un enracinement très dense. Mais on n'a pas beaucoup de nutriments sur place. C'est pour ça que la première année, tu n'auras que 90 quintaux à l'hectare. Si la seconde année, c'est pour ça que ça passe tout de suite à 120, parce que c'est enrichi de plus en plus, et la troisième année à 150. C'est bon, alors c'est plutôt bon de mulcher. Oui, c'est plutôt bon de mulcher si on en dispose. Si ça dépend de toutes les disponibilités qu'on a dans une ferme. Si tu veux. Alors, si tu comprends, c'est le mulch qui mange les mauvaises herbes. C'est le mulch qui mange les mauvaises herbes. Qui vont couper court à la croissance des mauvaises herbes. Bon, premièrement, il y a deux choses qui coupent court à la croissance des mauvaises herbes. Bon, il y a le fait que j'associe du trèfle blanc. Il y a un pot rampant qui pousse assez dru. Donc, qui étouffe, qui a tendance à étouffer tout ce qui peut germer sous lui. En plus, le trèfle blanc, il peut être assez asocial quand on lui casse les pieds. Il fabrique des herbicides naturels, anti-cotylédone. C'est-à-dire que les graminées, il laisse pousser, mais tout ce qui est dit cotylédone, il les démolit. Donc déjà, en les empoisonnant, si tu veux, par concurrence. Bon, déjà, pour les dicotylédones, c'est ça. Bon, pour ce qui est des graminées, effectivement, qui ont poussé à l'école précédente, bon, après que j'ai moissonné, elles commencent à prendre de l'ampleur, j'en profite pour les faucher le 15 août. Donc ça, c'est mulché. Effectivement, il y a un mulch et les mauvaises herbes auront beaucoup de mal à pousser. Ceci dit, par rapport au blé, il ne faut pas trop s'en inquiéter des mauvaises herbes, hein, vraiment. Bon, puis les mauvaises herbes, c'est bien d'en avoir aussi, parce qu'elles comblent les trous, elles peuvent servir de nourriture à un troupeau de canards qui circule dans le blé, tout ça. Parce qu'en voulant supprimer les mauvaises herbes, on va diminuer la production biomassique du terrain. Et les canards, ils vont pas en manger, un petit peu, des fois, oui. Ouais. Mais ça repousse, hein. Ouais. Il vaut mieux... Tant que... Oui. Il faut faire attention, hein. Du blé qui est semé à la Saint-Jean, au point de vue de végétation, ça n'a rien à voir avec du blé qui est semé en novembre. Évidemment, du blé qui est sous-frotteux, parce qu'il est semé trop tard, en mauvaise condition, à la moindre pâture, d'ailleurs déjà là, dans ces conditions-là, il s'y porte pas trop mal à la pâture, si on ne l'a pas trop juste au semis. Du blé qui est semé là, c'est pas parce qu'il y a les canards. Les canards, de toute façon, préféreront les graminées, préféreront le raie grasse et tout ça, de toute façon. Bon, s'ils taillent du blé, qu'ils le taillent. Et alors, ça gêne moins que de semer trop tard. Et pendant l'hiver, ici, sous la neige, il n'y a pas de problème, le blé est l'hiver mais... Ah ben au contraire. Oui. La neige le protège contre les gels. Il est à quelle hauteur, par exemple, au mois de novembre, ce blé? Il fait quelle dimension? Bon, il n'a rien à voir avec du blé normal. Bon, le blé normal, si tu veux, c'est des... quand tu arrives en décembre, bon, c'est rien. Le mien, bon, il est au stade 25 feuilles, avec des tas et des pré-feuilles dans tous les sens. C'est vraiment des grosses touffes. Hein. Des grosses touffes qui sont très étalées. Hein? Il va hiberner, là, il va très bien passer l'hiver. Ah ben, au contraire, c'est là il a atteint le maximum de résistance au froid. Là. Il a une capacité d'endurcissement des tissus au froid et tout. Justement, ce serait une expérience qui serait justement intéressante à faire dans les régions qui sont sensibles au froid. Donc le problème, c'est qu'il y a une coupe qui se soulève et tac, ça coupe les racines, souvent quand il y a le froid. Oui. Ce qui se passe, voilà. Ce qui se passe quand il y a le froid, c'est que, bon, il y a deux choses. Ça se passe dans certains types de sols, ça se passe surtout avec le labour. Quand tu laboures le sol est mal rassis, il y a des trous. Il y a des trous qui se remplissent d'eau et qui vont geler. Il y a une congélation. Le sol, il fait ça, tu vois. Si tu veux, il y a, selon les alternances de gel et de dégel, le sol gonfle, le dégonfle, si tu veux. Et le blé qui est tout jeune est mal enraciné parce que souvent, il n'est même pas atteint le stade. Donc, il y a le grain qui souvent aussi est dû au semis profond. Le grain, au lieu d'être semé en surface, il est à une certaine profondeur, si tu veux. Il a
que sa racine séminale principale, il n'a pas encore son plateau de phalage. Donc, et en plus, il a un rhizome ici, donc il y a des racines. Le rhizome, c'est-à-dire la première tige souterraine. Parce que quand on sème le blé en surface, quand on sème le blé en surface, il n'y a pas de rhizome. Il n'y a pas de tige souterraine. Bon, les tiges, bon, elles vont directement en l'air. Quand on le sème, bon, il y a une tige, donc quand le pétrin est semé par exemple à 5 cm, il y a une tige qui doit aller à la surface. Et là, il y aura le plateau de calage. Bon, cette tige, c'est pareil, c'est une élongation donc, qui allonge inutilement les canaux de circulation de la sève, donc qui empêche la plante de se nourrir correctement. Et c'est un élément de faiblesse, elle est très fragile, et c'est elle qui va péter avec les alternances de gel et de dégel. Donc c'est tout conjugué, semi-profond, semi-tardif, parce qu'il n'y a rien. Bon, si c'est un semi-précoce à 20 ans, il y a des racines jusqu'à 1,30 m de profondeur, ça ne bouge pas. Hein. Même à 1,30 m, 1,50 m, jusqu'à 2 m des fois. Alors c'est là justement. C'est ce qu'on appelle la phase végétative pour les racines. Il faut bien voir, bon, les parties aériennes sont belles, hein, c'est déjà une belle touffe, si tu veux, avec 25 feuilles et des tas de feuilles qui poussent comme ça. La touffe est comme ça, mais on ne voit pas ce qui se passe en dessous. En dessous, c'est des racines qui sont très denses et qui vont jusqu'à 1 mètre de profondeur, ou 1 mètre 50 de profondeur, si tu veux. C'est quelque chose de très dense, c'est-à-dire parce que pendant sa phase végétative, le blé, il accumule. C'est la phase d'accumulation. Il n'a pas beaucoup de besoin. Donc tout le carbone qu'il accumule pendant l'été, et je sais s'il y en a du soleil pendant la phase estivale, puisqu'il n'a pas besoin, parce qu'il ne passe pas en phase. C'est accumulé pendant les racines pendant l'hiver. Donc c'est accumulé sous forme de réserve et sous forme de matière vivante. Et la croissance des racines, j'ai fait la courbe, justement en phase végétative, elle a une croissance exponentielle, comme ça. C'est-à-dire qu'au stade, de cette feuille, c'est-à-dire quand j'ai semé en juin, début août, c'est comme ça, et ensuite ça flambe, tu vois. Elle se multiplie à toute vitesse et elle accumule de la matière vivante. C'est comme ça qu'au printemps, il n'y aura pas de fin d'azote printanière, parce qu'il y a une quantité de nutriments. Parce qu'il faut voir, parce qu'attention, hein, c'est même pas exagéré, hein, ce que je mets là. Les racines du blé, j'ai semé cette feuille, est comme ça. C'est-à-dire que le blé normal, lui, il sera comme ça, si tu veux. C'est ça qu'il faut voir, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que là, bon, au printemps, quand la terre a bien été refroidie pendant tout l'hiver, le sol est froid, bon, ben, à ce moment-là, le blé, ben, dès que les jours vont commencer à remonter, il va faire sa phase reproductive, en étant tout à fait indépendant de ce qu'il y a dans le sol. Il aura accumulé tout ça dans ses racines. Ouais, alors que le sol cultivé déjà. Ouais. Ben, ça, c'est ça. Et oui. Parce que la phase d'initiation florale, elle va démarrer, donc la phase reproductive, elle va démarrer dès que les jours vont commencer à rallonger, si tu veux. C'est-à-dire que la plante mère, à l'intérieur d'elle-même, dans son ventre, dans chaque tige, elle va faire, donc, si tu veux, les ébauches d'épis, si tu veux, qui vont monter plus tard. Bon, ben, c'est sûr que c'est essentiel qu'il y ait des réserves à ce moment-là, si tu veux. Donc, et aussi, c'est comme ça que la longueur de. Enfin, que la grosseur des épis est déterminée par ça aussi, si tu veux. Parce que ça permet. Au blé de démarrer immédiatement dès que les jours rallongent, ça augmente la phase d'initiation florale, c'est-à-dire le temps où le blé fabrique ses ébauches d'épis à la base, donc. Et évidemment, que le nombre d'épillés, que si la phase d'initiation florale démarre trop tard, si tu veux, cette phase ne durera que 15 jours. On dit qu'elle peut durer 2 mois si elle s'est faite assez tôt, si tu veux. Donc, tu auras des épis qui sont 3 fois, 4 fois ou 5 fois plus gros, si tu veux, grâce à cette technique, si tu veux. Et grâce à la quantité de racines qui sont là. Donc, leur idée, c'est bien respecter la phase végétative et d'avoir, bon, et puis surtout, bon, ben là, tu ne mobilises pas de capital, c'est un capital de terre. Il y a de la végétation au travail, il faut un photosynthétise le soleil, au lieu que le sol soit nu, pendant l'été, à rien faire. On doit faire. En semis, justement, le semis deuxième fois, c'est beaucoup plus facile, parce que. Justement, bon, c'est la première fois. Le problème, c'est comme une culture pérenne. Les difficultés, c'est la première fois. Bon, après, une fois que c'est implanté, c'est une chose huilée parce que le blé, bon, après, tu sèmes dans une récolte précédente, bon, qui est assez haute, ça gêne, bon, la croissance, hein, des herbes qui ont été gênées et coupées par la montaison. Même le trèfle, il est que moyennement costaud. Tu sèmes, hein, c'est fini, tu l'implantes. Sauf s'il y a eu, je
justement, on me dit tout le temps, est-ce que le blé n'a pas concurrencé les frères, hein, et des choses comme ça. Sauf, je sème, sauf si j'ai fait une bêtise. La bêtise classique, c'est que c'est pas le blé qui sauve la concurrence du trèfle, mais c'est le contraire. Bon, le trèfle a un indice de concurrence qui est égal à 2 par rapport à une graine de blé, c'est par rapport au nicotinédone, il démolit tout. Et là où le blé va avoir un indice de concurrence, c'est de 25. Donc c'est le blé qui risque de démolir le trèfle. Si j'ai commis l'erreur de semer mon blé trop dense, le trèfle va être gêné trop tôt. Au moment où le blé commence à monter, ça pousse trop de rue et le trèfle va aller étouffer. Bon, j'ai été disant sur une parcelle, justement, en faisant des expériences de